Sincèrement, Christian, je suis super content d'avoir été dans le in que dans le off de ce. Enfin, tu vois, voir que les photos, elles sont superbes. Moi, je trouve vraiment superbes. Je pense que ça va être bien. Ça va cartonner, ça. Allez la team, c'est parti pour une magnifique aventure. Yorana les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait hyper plaisir de refaire des vlogs et de vous reparler aussi. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Là on est à la Marina Teina à Punavia et c'est parti pour une belle surprise. I don't usually go out this late at night to the place where the animals go. But baby I'm here and I'm watching you move. Il est 7h15 du matin et c'est parti pour un petit shooting photo plutôt sympa. Il y a quelqu'un. Bon, c'est pas ça mon bateau, en fait, c'est ça mon bateau. Alors, bienvenue sur mon bateau. Il y a des savates. Il est beau ce bateau. En fait, mon bateau il est garé là, mais il est parti. Salut. Salut. Ça va? Les amis, ça sont des plans pour me faire couler. Pour la stabilité. Bon les amis, c'est parti pour le shooting photo. Comme vous avez pu voir, on est en plein milieu de l'océan. Donc c'est un shooting underwater. Underwater. Yes, c'est mieux. Et mon anglais il est parfait, ouais je sais. Mais non, j'ai un peu peur mais hyper excité pour pouvoir faire ce shooting. C'est quelque chose dont je rêvais depuis tout petit. On va essayer de faire quelque chose assez créatif. C'est quelque chose qui, voilà, j'en ai vu encore nulle part des photos comme ça. Du coup j'ai trop hâte de faire avec Christian. Allez c'est parti. Ça va? Enchanté. Teddy, super. Excuse-moi c'est pas très... Il fait le sable. Ah, en fait, c'est ça qui fait le sable. Si jamais tu voulais imaginer quelque chose de pas très propre, ben le sable des plages de Polynésie, c'est que du caca de perroquet.
Et donc t'as collé quoi? Bah j'ai collé les deux mandibules, enfin les deux mandibules c'est collé entre les deux et là et là. Ça et ça et ça et ça, ça s'enlève, d'accord. Ah ouais, trop bien. C'est plus vachement plus qu'un kimono de judo. Ah c'est classe ouais. Excellent. On va appeler Simo cette là. Non mais tu vas voir, c'est... Alors ce qui est bien, c'est que ça va coucher. Faut tendre un peu plus. Parfait. Et puis après dans l'eau, tu verras que tu seras plus à l'aise si c'est plus serré, ça maintiendra bien. Génial. Ok. Plie plutôt les jambes pour couler et pour pouvoir. Pour le mental assez. Remonter en poussant par le sol. Hein. Le seul danger c'est les oursins. Il y en a sous les patates. Voilà. Le corail, essaye de ne pas attraper sur le corail. Oh là là, tu lâches comment toi? Pieds point aussi, qu'elle a rien à voir, mais voilà, je connais un peu le truc. Allez, second round. Sincèrement Christian, je suis super content d'avoir été dans le in que dans le off, parce que enfin, tu vois, que voir que les photos, elles sont superbes, moi je trouve vraiment superbes. Je pense que ça va bien. Come!
Allez les amis, ça y est, on est revenu du shooting photo de ce matin. C'était carrément génial. J'espère que vous aurez aimé les petites images. Mettez un pouce bleu pour dire que vous avez aimé ce shooting photo sous-marin. C'était une carrément belle expérience. J'ai carrément adoré le concept et tout, faire avec le tobogan. J'ai essayé de faire des poses de taekwondo. De toute façon, vous allez voir ces images sur Instagram. J'ai trop hâte. Là, c'est un peu le bordel parce qu'on prépare notre valise pour partir en voyage. On attend mon père et mon frère pour aller manger. J'ai faim. C'est l'heure de manger les amis. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit papa. Bon appétit Sunen. Là les amis, on est à la banque Socredo pour aller récupérer la carte de mon petit frère, sa carte bancaire. Vous avez vu ces crocs là? J'ai acheté pour mon petit frère et il ne les a jamais mis. Du coup, c'est moi qui mets à sa place. C'est cool, en plus il y a les chiffres là. 17, c'était son âge. Enfin, c'est son âge aussi là. Donc voilà, c'est cool. Donc là, on est au parc Pao Fei pour aller donner un petit cours de taekwondo à des étudiants qui viennent de Chine. De Shanghai exactement. Yeah, mathematics. Teacher, mathematics teacher. Yes, he's so. Deux fois, même genre. Voilà les amis, c'est déjà la fin de ce vlog là. J'espère que vous aurez aimé. Je souhaiterais remercier Christian, photographe sous l'eau. Ça a été juste une expérience incroyable. Ainsi que Francis pour avoir assuré mon secours. Et remercier aussi l'association Heitena pour m'avoir donné l'opportunité de donner un cours de taekwondo à ces étudiants venus de Shanghai. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un gros pouce bleu juste en dessous, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par un trailer ou les backstage de ce shooting photo là. Comme ça je vous mettrai plus de vidéos sous l'eau avec les photos qu'on a eu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire Maururu Nana, à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Bisous.